Donc ben, aujourd'hui, je vais faire un exploit. Je vais faire 25 au lieu d'habituellement, je fais 20 kilos. Donc on va voir ce que ça va donner. Un challenge par jour, c'est la devise de Brigitte, 62 ans. Cette retraitée passe environ 9 heures par semaine à la salle de sport. De faire du sport, c'est de lutter contre le vieillissement, c'est surtout m'entretenir. Pour bien vieillir, je pense que le sport, c'est important d'avoir une activité physique. Brigitte s'est mise sérieusement au sport il y a 20 ans. Résultat, une condition physique au top. Tous les jours, elle cumule les exercices, un programme sportif complet, pectoraux, fessiers, suivi d'une séance de cardio, stepper et vélo. Brigitte est une vraie pile électrique et surtout un modèle pour les plus jeunes. Je pense que c'est bien d'être en forme comme ça à son âge. Ouais, moi, j'aimerais bien. Donc je commence. Et Brigitte n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les plus de 60 ans ont la pêche. Plus question de se laisser aller, les seniors veulent rester en forme le plus longtemps possible. Musculation et sport d'endurance, ils n'ont peur de rien. La preuve, les seniors représentent un quart de la clientèle des salles de sport. Le secteur des plus de 60 ans est en nette augmentation depuis quelques années. Cette population senior est une population globalement physiquement et physiologiquement jeune. À 61 ans, Jean-Georges ne fréquente pas les salles de fitness. Son terrain de jeu, c'est la forêt de Sénart, en région parisienne. Course à pied, mais aussi exercice de muscu et étirement. À plus de 60 ans, Jean-Georges a la forme d'un jeune homme. Quand je viens ici, en fait, c'est pour courir, faire du vélo, faire de la musculation, enfin de la petite musculation, donc abdominaux, extension, respiration, parce que ça, c'est très important. Et puis me réoxygéner, voilà. Rester en forme, se réoxygéner, mais surtout conserver son physique de séducteur le plus longtemps possible. Et visiblement, ça marche. Très bien. C'est un bel homme. Pour son âge, ça lui va bien. Bien conservé. Mais s'il veut rester beau, ce n'est pas pour séduire, mais pour son métier, car Jean-Georges est comédien. J'en ai besoin pour mon métier, parce que je dois rester jeune, beau et dynamique. Abonné au petit rôle et à la figuration, Jean-Georges ne désespère pas de se voir proposer le rôle de sa vie. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il travaille sans répit pour se sculpter un corps de rêve, même à la maison. C'est une ceinture vibrante qui me permet d'empêcher en fait de m'arrondir, qui enlève toutes les graisses vicieuses. On ne voudrait pas froisser Jean-Georges, mais ces ceintures agissent uniquement sur les muscles abdominaux. Elles ne permettent en aucun cas de faire fondre la graisse. Te voilà ? Bonjour, dépêche-toi. Allez faire du vélo, je t'attendais. Et s'il y en a une qui apprécie tous ses efforts, c'est sa femme, Laurence. Pour l'encourager, elle n'hésite pas à donner de sa personne. Et même si Jean-Georges a 5 ans de plus qu'elle, il est loin d'être à la traîne. Allez, viens mon chouchou, viens. Hein ? Moi, je n'aime pas les hommes qui se passent. Et c'est vrai que j'ai une copine, certaines disent... Elle louche. On est moyen d'avoir un mari comme une. Elle louche. Car c'est prouvé, le sport permet bien de retarder les effets du vieillissement. Autre avantage, pratiquer une activité régulière passé 55 ans permet de limiter les risques de chute et de fractures. L'activité physique permet d'entretenir la musculature. Ça permet d'entretenir aussi tout le système cardiovasculaire, d'entretenir l'endurance à l'effort. Ça permet d'entretenir aussi la minéralisation osseuse, parce qu'on sait que les personnes âgées sont souvent sujettes à l'ostéoporose. Voici les 5 activités les mieux adaptées aux seniors. La natation, l'aquagym, la marche, le footing et le vélo. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. La solution, les cours de gym pour seniors. Bon, ben Anne-Marie, on y va? Ouais. Je prends mes affaires, ma serviette. Et puis, ben, on va voir comment ça se passe. Ah, ben il y a du monde, hein? Ouais. Oui, non, non. Nous avons demandé à Brigitte, notre retraitée accro au sport, de tester ses cours d'un nouveau genre. Pour la soutenir, elle a réquisitionné sa meilleure amie, Anne-Marie, elle aussi sportive aguerrie. Et on va monter les bras. Le cours commence comme un cours classique, échauffement puis renforcement musculaire. Seule différence apparente, ici, les élèves ont entre 60 et 82 ans. Brigitte et Anne-Marie font donc partie des plus jeunes.
Alors, on va faire un atelier aujourd'hui sur la prévention des chutes. Donc, comment passer de debout à au sol et du sol à debout. Des exercices spécifiques qui permettent de faciliter le quotidien des seniors. L'objectif du cours, c'est aussi de préserver l'autonomie et de la maintenir le plus longtemps possible. Moi, je prends beaucoup d'exemples sur la vie de tous les jours, comme sur le ballon. Le ballon, c'est un pot de confiture, et comme si on voulait aller chercher un pot de confiture dans une armoire. Quel que soit son âge, ces exercices peuvent s'avérer très efficaces. Pour cet élève assidu de 78 ans, pas question de rater une séance. Alors, on fait beaucoup, toutes les articulations, tout ça, ça fait travailler, hein, les muscles. Moi, j'avais un genou qui était complètement abîmé, et bien maintenant, je peux me mettre sur les genoux, je peux plier, je peux... Oui, ça a été bénéfique quand même. Ah oui. Des cours vraiment utiles donc, mais qu'en pensent nos deux sportifs de choc? Bien aimé, non? Très bien, très bien. J'ai été agréablement surprise. Anne-Marie, oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Je pense que c'est des mouvements surtout nécessaires. Nécessaires pour la vie courante quand on vieillit un petit peu. Ces cours pour seniors se développent à toute vitesse un peu partout en France. Comptez environ 160€ l'abonnement annuel. Alors, à partir de maintenant, quel que soit votre âge, plus d'excuses pour se tourner les pouces.